Hey yo tout le monde, c'est Alpha. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire des particules qui vous suivent, comme vous voyez derrière moi. Ce tuto n'est pas pareil que les autres parce qu'il est un peu plus compliqué que les autres, parce que les autres étaient vraiment faciles. Il y a aussi différentes traînées que je vais vous montrer là tout de suite, comme celle-là. Voilà, ou encore celle-là. Ou encore. Oui, il y a encore beaucoup de différentes particules. Voilà, je vous lâche encore un dernier. Voilà, donc je vais vous apprendre tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Du coup, c'est parti pour le tuto. Alors, comme je vous l'ai dit, ce tuto est un peu plus difficile que les autres que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous montrer la première commande pour faire l'encre, c'est-à-dire cette traînée-là. Le seul problème, c'est qu'elle dure longtemps. Regardez, je désactive. Voilà, ça met hyper longtemps pour s'enlever. Regardez, on va attendre encore un peu. Et voilà, après, ça s'enlève. Donc, je ne conseille pas trop cette traînée pour vos serveurs, hein, parce qu'après, ça va être un peu le bordel. Donc du coup la commande c'est celle-ci, voilà, execute litosh coragiel, etc. Bon, vous voyez quoi. Du coup à la place de evoker spell là, comme vous voyez, on va marquer différentes choses en fait, c'est différentes traînées. Donc on va voir ça. Donc à la place de litosh coragiel, du coup vous mettez votre pseudo tout simplement, ou comme ça vous pouvez faire des grades sur votre serveur, c'est vraiment stylé. Aussi, faites gaffe pour les espaces entre les petits traits là juste à côté. Si vous faites une erreur à un mot, c'est que vous êtes foutu quoi, ça marche pas. Donc faut faire très attention de ne pas faire de faute. Du coup, après pour le deuxième effet, bah, c'est tout simplement pareil comme je vous l'ai dit. Du coup, on remplace. Du coup, on met totem particule à la place de l'autre evoker spell là. Bah, du coup, on met totem particule et ça marche aussi du coup. C'est tout à fait pareil, du coup, bah, après c'est facile hein, pour faire différentes traînées. Voilà, cette traînée c'est celle-là, XP, c'est genre un truc d'XP. Après, ça s'écrit comme ça pour les trucs de lava, pour faire un truc de lave. C'est ce mot, voilà, c'est lava particle. C'est tout simple. Après pour le quatrième command block encore, c'est l'explosion, donc c'est ça, donc ça j'avoue je vous recommande pas du tout parce que c'est un peu le bordel, ouais, je me perds direct. C'est un peu le bordel, mais si vous voulez faire des animations, etc. Vous pouvez faire, mais pour des grades ça va être un peu le bordel. Du coup pour faire l'explosion c'est cette commande, voilà, c'est Dragon Death Explosion Emitter. Voilà tout simplement. Et du coup bah, c'est un peu plus long, du coup c'est Dragon Death et tout, c'est un peu plus long que par exemple lava, là, juste tu marques lava particule et là c'est dragon je sais pas quoi, donc c'est un peu long. Donc du coup pour encore une différente traînée, il y a le hit, donc c'est comme si tu prenais des coups des hits du coup. Et du coup c'est stylé en vrai, cette traînée elle est pas dégueulasse que ça, elle fait pas trop laguer, donc en vrai ça c'est sympa. Du coup pour faire cette traînée c'est cette commande, du coup c'est critical hit emitter. Et du coup ben voilà, n'hésitez pas à enfin éviter de faire des fautes parce que sinon ça va pas marcher. Et après pour le dernier du coup c'est love, c'est avec plein de cœurs, t'as une traînée de plein de cœurs, du coup c'est hyper facile aussi, c'est cette commande tout simplement, c'est Earth to tirer du bas particules, donc c'est hyper facile aussi. Du coup, faut pas faire de fautes comme toutes les commandes. Et puis voilà. Et du coup, il y a aussi un petit bonus. Le petit bonus, c'est genre on peut fusionner plusieurs traînées en même temps. Par exemple, je mets par exemple, on va mettre hit avec love et du coup, on a les deux en même temps. Donc vous pouvez faire des fusions. Si vous voulez faire un truc genre un mec enflammé, vous pouvez mettre le truc d'encre et la lave. Et du coup ça fait genre le mec il brûle et tout. Pour des courts-métrages ou des trucs comme ça peut être sympa. Après vous pouvez faire d'autres fusions, je sais pas ce que vous voulez. L'explosion, bon, on peut pas faire trop de fusions avec ça. On peut mettre, c'est pas l'XP avec...
avec le love, du coup, ça peut être sympa, c'est beau. Et du coup, voilà, vous pouvez faire des grades sur votre chaîne YouTube, etc. Des grades, pas sur votre chaîne YouTube, sur votre serveur. Et du coup, ça peut être stylé. Du coup, moi, je vais faire ça hein, pour les grades sur mon serveur. Hein. Du coup, je vais en profiter. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé en tout cas. Je sais pas si je suis le premier à faire ce tuto, genre les particules qui se suivent. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir d'aider plein de personnes. Du coup, là, les gars, on se retrouve pour un nouveau tuto la prochaine fois. Et puis voilà, à la prochaine, les potes.